Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de lexique, identifier les préfixes. Première activité, écris le contraire des mots suivants en utilisant les préfixes. Alors nous avons des, un, des, il, un et mal. Grâce à ces préfixes, je peux obtenir le contraire des mots suivants. Coiffé. Alors, lorsque l'on n'est pas coiffé, on est bien sûr décoiffé. J'ai utilisé le préfixe dé. Intéressé. Quand on n'est pas intéressé, on est désintéressé. Désintéressé. Buvable. Imbuvable. Visible. Alors, invisible. Tous ces préfixes m'aident à obtenir, bien sûr, le contraire. Occupé. Alors, un endroit occupé, le contraire, inoccupé. La chance, la malchance. Et bien sûr, on préfère la chance. Habile, malhabile. Malhabile, obéissance, désobéissance. J'utilise le préfixe dé. Désobéissance. B et sens. Désobéissance. Alors, nous avons coiffé, décoiffé, intéressé, désintéressé, buvable, imbuvable, visible, invisible, occupé, inoccupé, la chance, la malchance, habile, malhabile, obéissance, désobéissance. Dans la deuxième activité, entoure le préfixe dans chaque mot, puis emploie-le dans une phrase. Alors ici, nous devons tout d'abord entourer le préfixe et nous allons aussi l'employer dans une phrase. Alors, maladroit, bien sûr, vous avez identifié le préfixe mal. Alors, j'entoure mal. Alors, pour maladroit, la place manque, je vais utiliser une autre feuille. Regardez, maladroit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est maladroit. Pourquoi? Tout simplement, il casse tout ce qu'il touche. Il casse tout ce qu'il touche. Je répète, il est maladroit. Il casse tout ce qu'il touche. Alors, pour la deuxième, nous avons désagréable. Alors, bien sûr, agréable, désagréable. J'entoure le préfixe. Et qu'est-ce que je peux dire? Alors, je peux dire que je sens une odeur désagréable. Alors, les odeurs désagréables, ce sont tout simplement les mauvaises odeurs. Désagréables. Bien sûr, vous avez le choix pour répondre. Je sens une odeur désagréable. Alors, pour microscope, ici nous avons micro. C'est le préfixe. Alors, nous allons utiliser microscope dans une phrase.
nous pouvons écrire ce microscope. On l'utilise beaucoup dans les laboratoires. Ce microscope permet de voir, permet de voir ce qui est visible à l'œil nu. Ce qui est visible à l'œil nu. Alors, ce microscope permet de voir ce qui est invisible. Alors, je rectifie ici, invisible à l'œil nu. Alors, à l'œil nu, on ne peut pas voir certaines choses. Mais grâce au microscope, le microscope agrandit. Alors, pour bimensuel, bien sûr, vous avez identifié le préfixe bi. Bi, c'est le préfixe. Alors, nous allons mettre ce mot dans une phrase. Cela va nous donner, bien sûr. Alors, nous allons écrire cette revue. Cette revue est bimensuelle. Cette revue est bimensuelle. Alors ici, moi, j'ai accordé. Cette revue est bimensuelle. Cela veut dire qu'elle paraît deux fois par mois. Bimensuelle, cela veut dire deux fois par mois. Je continue. Nous avons polyvalent. Alors, vous avez sûrement remarqué où est le préfixe. Le préfixe poly. Et pour l'exemple, nous allons écrire tout simplement, elle a une formation polyvalente. Regardez, elle a une formation polyvalente. Elle a une formation polyvalente. Cela veut dire qu'elle connaît plusieurs choses à la fois. Elle connaît la mécanique, l'électronique, l'informatique, à titre d'exemple. Alors, la mécanique. L'électronique. L'électronique et l'informatique. L'informatique, je termine ici. Alors, polyvalent, cela veut dire tout simplement qu'on fait plusieurs choses à la fois. Beaucoup de personnes ont un métier qui est polyvalent. Alors, elle a une formation polyvalente. Elle connaît la mécanique, l'électronique et l'informatique. Pour l'activité numéro 3, complète, nous devons compléter tout simplement à l'aide des mots dérivés ayant un préfixe. Un plat qu'on ne peut pas manger, bien sûr, il est immangeable. Immangeable. N'oubliez pas ici le E. Immangeable. J'ai utilisé le préfixe IM. Un objet que l'on ne peut trouver est introuvable. Introuvable. Un fait qui n'est pas légal, bien sûr,
est illégal, illégal, contre la loi. Un produit que l'on fait venir de l'étranger, on dit que c'est un produit qui est importé. Un produit importé. Et nous avons beaucoup de produits importés dans notre pays. Utilise ton dictionnaire pour trouver l'explication qui correspond à chaque mot. Indique aussi le nombre exprimé par le préfixe. À l'aide du dictionnaire, vous allez trouver l'explication de chaque mot. C'est qu'est-ce qu'un tricycle? Un bipède, un quadrupède. Un trilingue, bicolore, multicolore, polycopié, monosyllabique. Alors, tricycle, nous allons écrire vélo ou moto, tout simplement à trois roues. À trois. Tricycle, regardez, tricycle, trois. Trois roues. Alors, bipède, bipède, qui a deux pieds. L'homme est un bipède, bipède, qui a deux pieds. L'homme est un bipède. L'homme est un bipède. Alors, quadrupède. Pour quadrupède, nous allons écrire tout simplement qui a quatre pattes. Qui a quatre pattes. Qui a quatre pattes. Et pour trilingue, personne qui parle, regardez, trilingue, trois langues, qui parle trois langues, c'est un trilingue, qui parle trois langues. Bicolore, alors, bicolore, contenant deux couleurs. Bicolore, regardez, B, contenant deux couleurs. Multicolore, par contre, constitué de plusieurs couleurs. Multicolore. Constitué de plusieurs couleurs. De plusieurs couleurs. Bicolore, deux couleurs, mais multicolore, plusieurs couleurs. Polycopier, document, photocopier ou imprimé en plusieurs exemplaires. Polycopier, comme le moment des contrôles. Alors, polycopier, cela veut dire tout simplement document photocopié. Document photocopié. Alors, moi, je n'ai pas de place.